Et salut les mecs, c'est Norris Gamer, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FUT 15. Voilà, donc pour un squad builder pour une équipe hybride, donc pour à peu près allez, 160 000, 170 000 crédits, à peu près en fonction de combien ils coûtent les joueurs en ce moment même. Donc moi là maintenant elle m'a coûté à peu près 170 000, donc ça va. Donc on va commencer tout de suite avec le gardien, qui est Ruffier Informe. Donc regardez ses stats. Donc 85 de plongeon, 88 de réflexe, 86 de positionnement. Donc pour moi c'est un très bon gardien, parce que pour moi un très bon gardien il est caractérisé par le plongeon, le réflexe et le positionnement. Après vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est ça que je regarde en premier. Après la défense, la charnière quoi. Donc on a Boateng, David Silva, il est là. Thiago Silva, pardon. C'est un autre David Silva. Et Hummels. Voilà, donc ça c'est notre charnière. Donc ça court pas très vite, mais ça a beaucoup de défense et de physique. Voilà, donc on peut. Enfin, on passe, mais difficilement quoi. Si le mec il joue avec de la vitesse, il passe. Donc le milieu central est composé de Götze et de Schweinsteiger. Je pense que c'est un très bon milieu central avec de très gros général. Mais bon, regardez Schweinsteiger, 85 de passe et 80 de tir. Et Götze, il a 82 de passe et 74 de tir. Bon, ça c'est pas grave parce que c'est un milieu central. Mais 89 de dribble, ça c'est bon ça. En milieu droit, donc moi j'ai pris Lucas. Donc qui est très rapide sur ce jeu. Surtout en sniper, donc ça lui améliore le tir et le dribble. Donc c'est ce qu'il lui faut à Lucas. Donc 73 de tir, ça c'est pas grave, mais 87 de dribble, ça c'est franchement très bon. Le milieu, non, on va passer au milieu gauche. Donc milieu gauche, c'est Royce, Marco Royce. Ce mec, c'est la perfection au masculin, quoi. Parce que quand même, 91 de vitesse, 86 de tir, 84 de passe, 86 de dribble. Franchement, ce mec est un dieu. Mais comme il joue milieu gauche, il est pas très haut sur le terrain. Mais quand il a la balle, on voit qu'il a la balle, quoi. Après, milieu offensif, c'est un Pastore. Parce que sur ce jeu, il est vraiment, mais vraiment très très bon. Donc, il a... On dirait ses stats, enfin on dirait qu'il est pas trop fort, mais franchement il envoie du lourd. Et pour les buteurs, donc j'ai choisi Tevez et Higuain. Voilà, donc ça c'est les buteurs. Donc vous avez un Tevez 86 de vitesse, 86 de tir et un 84 de physique. Ça c'est très bon pour les attaquants. Et Higuain, 80 de vitesse, 84 de tir, 71 de physique. Bon, ça c'est pas très grave, mais bon, Higuain met des très bonnes têtes. C'est un truc de dingue. Ils peuvent être des têtes de malade. Bref, donc cette équipe, vous avez cette équipe pour à peu près 170 000 crédits. Donc avec un 100 de collectif. Et voilà quoi. Donc après, bon, si vous voulez, vous pouvez changer Pastore par Di Maria. Donc c'est ce que je vais faire parce que j'ai les levés les mecs, hein, voilà. Donc peut-être m'acheter Di Maria, mais là il coûte pour moi, et j'ai 100 000 crédits, il coûte 200 000 crédits, donc il faut voilà, économiser. Donc les mecs, c'est on va faire un pack, comme on est lundi, on va faire le pack gratuit que j'ai à chaque toutes les semaines. Donc c'est parti avec Gwen, un pack de fin de vidéo. Donc j'espère joueur. Alors Samedov, voilà, deux joueurs du même club. C'est quoi le club? Le collectif. Désolé. Voilà, j'ai deux joueurs de D1 russe de locomotive. Voilà. Allez, on va prendre les contrats. Donc les mecs, je vous dis ciao, à la prochaine. Restez connectés et peace. Oh, la jolie frappe, hein. Et il passe devant avec ce but. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker. Et cliquez sur le smiley juste en bas pour regarder la dernière vidéo qu'on a faite. On dit ciao.